C'était un de ces dimanches où il est 4h du mat et que t'as cours le lendemain. Ce genre de moment où tu penses trop et où tu vois les heures passer et ta nuit se réduire. Ce genre de moment où une merde en entraînant une autre, tout finit par repasser dans ta tête. Où t'es seul contre toi-même. Où tu veux t'en échapper en dormant, mais tu finis juste par te retourner contre toi. Tu t'abandonnes. Tu penses qu'il n'y a plus de solution. Tu te sens bête, inadapté, mais tu te sens moins seul qu'avec les gens. Tu repenses au négatif et tu te demandes pourquoi et comment les gens peuvent t'aimer comme tu es. Tu te demandes s'ils te connaissent vraiment, s'ils font pas semblant, par pitié ou pour s'amuser, s'ils s'intéressent vraiment à toi. Tu deviens fou, tu as peur, tu te dis que tu tiendras pas, que t'es trop fatigué pour tout ça. J'ai pas envie de te dire que c'est vrai, mais certains ont moins d'endurance que d'autres. Tu sais pas où te réfugier parce que tu élimines tous les points positifs. Tu penses que aux choses que tu as peur de surmonter. Mais la personne à laquelle tu peux faire le plus de mal, c'est toi. Tu te brises et te renfermes encore plus. Et quand le sommeil commence enfin à te prendre, c'est l'heure de se lever. Tu pries pour avoir 5 minutes de plus dans ton lit, mais tu sais que c'est inévitable. Tu vas devoir t'en sortir et aller à tes cours comme si de rien n'était, parce que tu prends du retard et tes notes suivent pas. Et dans ce monde, si tu réussis pas à l'école, ça te suit toute ta vie. Et t'as peur de décevoir, surtout tes parents. Tu te dis que c'est de ta faute. Pourquoi les autres y arrivent mais toi t'en as pas la force? Tu te déconcentres, t'as l'impression de sortir de tout. Tu te perds, t'as plus la notion du temps. Tu es plus sûr d'aimer les choses qui comptent pour toi. Tu craques. Ah, tu les connais bien ces soirs, hein.